Mais ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, que... entre les premiers arrivants ici, c'est le Parti communiste révolutionnaire, et on demande c'est quoi qui est important pour aujourd'hui même. Eh bien, c'est la célébration des droits des travailleurs. Partout dans le monde aujourd'hui, les travailleurs se réunissent puis manifestent. Puis partout dans le monde, il y a de la répression. Même ici. Puis on espère pouvoir faire notre manif, puis on espère pouvoir partir au moins. Mais on s'en va au Club Select 357, où la magouille qui a, la maison qu'il y a là, se passe au Club Select. Alors, on espère pouvoir faire des éclairs un peu pour que ça soit... qu'il y ait un peu peur de nous autres. Est-ce que le montée de la répression, c'est un indice que le système capitaliste s'est affaibli maintenant? C'est pas sécuritaire pour la bourgeoisie? Je pense que le système capitaliste est en crise. Puis il est en crise ici aussi, même s'il essaye de nous dire que c'est pas... Ici, on est bien. Il essaye de nous dire on va mettre des fleurs, on s'occupe beaucoup de faire de l'ambiance, mais au fond, c'est pour faire oublier toute la misère. Là, je vois des policiers qui arrivent. Okay, on va regarder ça. Ça, c'est la police là-bas. Là, il y avait une gang. Si c'est une bande de police avec Neuro Technology, quelque chose comme ça, avec des caméras. Là, il y a des polices en arrière. Là, il y a des polices. Là, il y a des bandes de police en arrière. Et il y a beaucoup plus de police quelque part cachée. Et il y a deux manifs qui convergent ici au Hôtel de Ville. Là, oui, qui va viennent entrer, des quartiers. Qui viennent des quartiers de l'Est et de l'Ouest. Oui. Oui. Ah, c'est la madame policière qui reçut les ordres. Et là, c'est Concordia University Television. Alors, on est bien équipé. Là, c'est notre média. CTV, oui. Tac.